Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est sur Nemesis comme d'habitude. C'est un peu la seule chose que je peux faire ces temps-ci. Et pas mal de trucs nouveaux. Alors premièrement j'ai les Elytra. Donc en fait je les ai échangés parce que vous vous souvenez dans le dernier épisode on avait prévu d'aller les chercher. Et puis bah en fait on avait fait le pacte, donc c'est mon ami qui les prend. Et puis moi, puis après il m'aide en fait à en trouver d'autres. Donc on a fait comme ça. Et puis, en fait, avant que moi j'ai pu aller en chercher d'autres, lui, il est allé. Il est allé en chercher et il en a trouvé, donc il m'a échangé. Ça, c'est le premier changement important. Deuxième changement important. Oh, ok. Là, il y a deux zombies villageois. Et merde, je viens de laisser dans. Zut, j'aimerais les purifier rapide. Vite, 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 vite. Voilà, donc c'était assez cool. J'ai pu purifier un. Comment ça s'appelle? Un farmer, donc celui qui échange les patates et tout ce qui est un peu légumes, contre des émeraudes. Donc ça, c'est vraiment OP. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est OP. Parce que du genre, il t'en échange 16 contre une émeraude. Tu te fais 4 stacks. Moi, j'ai fait des champs de 8 x 8. Donc je me fais au grand minimum un stack. Vite, vite, vite. Sinon, ils vont dispawn et puis là, je rage. Je suis allé chercher masse, les oracles, parce qu'on en a besoin ces temps-ci. Voilà. Sinon rien de spécial. Et du laser quartz. Et vite s'il vous plaît. Ok. Comme ça, ça devrait aller. Et puis ça, on va l'appeler, c'est ça. Ok. Donc voilà. Et aussi, je me baladais, j'ai trouvé un cheval squelette. Je sais, je suis hyper château. J'ai trouvé un cheval squelette et je l'ai appelé Bones. Ce qui veut dire les os en anglais. Voilà. Originalité. Et puis je suis content parce qu'il a beaucoup de vie. Il est relativement rapide. Donc ça va. Hein. C'est pas un cheval de course non plus, mais. Franchement, j'aurais pu tomber sur bien pire. Donc, je suis hyper content. Alors, please, qu'ils aient pas dispawn. Et GG, c'est ça. 13ème mort, j'en suis comme à 3ème perso. Je m'en bats les couilles. Oh, là, il y en a un autre qui a l'air encore plus pété. Je crois que c'est un Toolsmith ou Weaponsmith. Ou Armorsmith. Viens par là, mon petit zombie. Ouais, ça doit être un Toolsmith, Armorsmith ou. Ou la famille, quoi. Ah merde, en fait, je suis pas en bonne position. Ok. Attends, je suis pas en bonne position du tout. S'il te plaît, avant la nuit, avant la nuit, avant la nuit. Avant la nuit. Dépêche-toi. Merde. S'il te plaît, vite, dépêche-toi! Voilà. A chaque fois que je veux purifier un zombie villageois, c'est le stress. Parce que je sais pas s'il va réussir à tenir. Hop là. Ouais. Ok. Et merde. Ça, à chaque fois que je nourris un zombie villageois, ça me fait bouffer mes pommes d'or. Je sais pas pourquoi. Mais ça m'énerve. Là, je viens. Grosso modo, là, je viens de gaspiller 8 d'or. En plus, ces temps-ci, je suis pauvre. Donc. À part le diam, c'est l'armure pétée. Alors, les Elytra, pour en revenir au sujet le plus important. Truc de malade. Genre, vraiment. Il y a quelqu'un qui a déjà fait une tour à Elytra parce qu'il avait des Elytra. Et donc, ben, elle est cool. Hein. Avec Feather Falling 4, vous tombez de sa tour qui fait une bonne centaine de blocs et j'exagère pas. Et vous, il vous reste un cœur environ. C'est parfait, juste. Alors. Bonjour, ça peut monter. Les Elytra, c'est très pratique. Déjà, hein, vous pouvez voler, donc ça c'est le meilleur. Mais vraiment, du genre, vous construisez un truc très haut, vous tombez, vous en fichez, vous pouvez juste fly jusqu'à un endroit un peu moins dangereux. Donc c'est très pratique. En attendant, alors, ça enlève un peu de. Forcément, ça enlève de la résistance, puisque vous devez enlever votre armure. Mais bon, franchement, c'est un peu négligeable. Alors, on va juste construire. Un enclos un peu plus grand pour le villageois. Parce que sinon, il y a des dispawns. Moi j'ai des dispawns de villageois, je sais même pas pourquoi. Dans le code. C'est censé être un dispawn. Ça ne veut pas dispawn un villageois dans le code de Minecraft. Sérieux mec, casse-toi. Casse-toi. What? Mais mec, sérieux, tu saoules. Viens là. Bon. Non! Il va falloir attendre qu'il vienne un villageois.
Bon, pour parler d'autre chose, j'ai fait la Pharmacorus et je vais vous la montrer. Elle est très. Elle est normale. C'est pas une Pharmacorus intensive et tout ce que vous voulez. C'est pas le truc le plus pété pour les choristes, mais c'est déjà pas mal, hein, franchement. Pitié fait. Purée, mais. Je vais venir là, de ce côté. Voilà. Pourquoi on dirait qu'il a perdu la grenouille? Non. On va attendre qu'il se métamorphose et je vais encore vous parler d'un autre truc. Alors voilà, aujourd'hui ça va être présentation de la Pharmacorus rapide, hein, c'est pas un truc de malade non plus. Et puis présentation de l'usine à faire que nous allons faire. Alors ça va être assez simple, en fait on va juste prendre des villageois, les amener dans un purificateur, non, dans un reproducteur à villageois qu'on va faire juste tout de suite maintenant. Et lorsqu'on aura ces villageois dans le reproducteur, ça va être très simple, il va suffire juste de les faire se reproduire et on va les envoyer dans l'usine à faire. Donc je trouve que c'est un peu lent quand même, la purification. Au moins, le point positif, c'est que, genre là, le farmer qui est là-bas, il vous échange 5 pommes. Pas cher du tout. Oh, je crois qu'ils étaient. Ouais. Armorer. Moi, je l'ai déjà. Ouais, choqué. Je suis déçu un petit peu. Purée, pis. Mec, sérieux, tu me saoules, voilà. Mec, tu peux te pousser un peu là. Merde, je viens de tomber avec. Bravo. Attends, mec, sérieux. J'arrive pour faire. Ce villageois m'aura sauvé juste. Pourquoi pas maintenant? Voilà. Pourquoi pas maintenant? Quand je vais en profiter pour vous montrer les élytras, pour vous montrer la ferme. Et ensuite on va aller à la tour. Mec, je vous fais une vidéo. Là maintenant. Alors dépêche parce que tu m'as dit qu'on en ferait une. Ah bah tiens, bah, ça pousse bien. Hein. Ça pousse bien. Alors voilà, la ferme à Corus consiste. Alors le Corus, c'est la nouvelle fleur qu'on a dans les îles des Landes. Ok, mais je ne fais pas avec toi. J'ai pas compris. Bon. Ok. Pas compris ce qu'il a voulu dire, mais tant pis. Alors, en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez planter du chorus. Imaginons que là, vous avez de l'endstone. Vous allez planter votre chorus. Il va pousser comme ça. D'accord? C'est ce qu'il fait là. Et au-dessus, vous allez mettre un petit trou avec de la lumière, n'importe quelle lumière. Vous pouvez mettre des redstone lamp, vous pouvez mettre de la glowstone comme j'ai mis. Et en fait, le chorus va pousser de hauteur, hein, le plafond. Le chorus va pousser et il va aller sur le côté et il va faire les fleurs directes. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à casser les fleurs. Et une fois que les fleurs sont cassées, vous cassez tout, lorsque vous avez toutes les fleurs, donc ça, vous pouvez que les casser à la main. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez utiliser toutes les fleurs, enfin, vous allez utiliser les fleurs qui vous restent déjà, pour replanter, et les autres fleurs, vous allez les mettre ici, dans l'usine à Corus. Alors, cette usine à Corus, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Là, je vais vous montrer tout de suite. Ouais, vous avez vu pourquoi c'est pratique, des fois, les élytres. Alors, ce que vous allez faire. Là donc, le chorus au contact de l'eau il se casse. Donc, ce qu'on va faire. Ça va casser le chorus. Là il y a du lag, hein, parce qu'en vrai ça s'est cassé là. Et puis là, comme évidemment, comme j'ai refait sur le levier. Alors, ça rapporte pas mal, hein. Là vous voyez tout le chorus. Évidemment, il y en a un petit peu qui tombe sur les bords, c'est pas un problème. Vous allez vite ramasser. Après, vous pouvez faire bien plus grand que moi j'ai fait, hein, franchement. Moi j'ai fait un petit 6, j'ai fait un petit. Il y a des trucs beaucoup plus grands. Hop là. En fait c'est juste des pistons qui se rétractent et donc l'eau va prendre. Enfin va casser les chorus et ensuite vous avez tous vos chorus. Ouais. Donc là on a fait quelques stacks hein, déjà. C'est pas mal. Et voilà. Et ensuite vous n'avez plus qu'à couper. Comment ça marche?
Franchement, ça vous auriez pu y penser tout seul, il n'y a pas vraiment besoin de regarder ma vidéo pour ça. Hein. Alors là, vous avez de la redstone, juste un levier. Là, il y a juste des repeaters pour que ça aille loin, loin, loin. Et là, tout simplement, on a des pistons avec des torches. Et en fait, ces pistons, pourquoi est-ce que je mets des pistons déjà, hein, et pas des dispensers? Parce que parfois, les dispensers, ça glitch, ou je sais pas quoi. Et puis, ben, l'eau, elle ne rentre pas. Donc, il y a de l'eau qui est toujours dehors et qui ne veut pas revenir. Donc, je préfère éviter les glitches. Et donc, en fait, c'est juste un repeater. Et puis là, comme je veux, en fait, si j'avais mis deux redstone ici, la redstone aurait empêché d'éteindre les torches parce que le courant n'aurait pas été dans le bloc, il aurait fait un tour un peu. Il aurait un peu dévié dans ce sens-là à la place de faire comme ça. Et donc, ben, vous mettez juste repeater redstone, ça va permettre au signal qui est là d'aller là-dedans, au signal qui est là d'aller là-dedans. Et ça va éteindre les torches et donc éteindre les pistons. Et les pistons, ils ont un bloc au-dessus. Ce bloc va descendre et puis ensuite vous mettez des sources infinies d'eau et l'eau va descendre. Alors, truc important à savoir, l'eau parcourt 6 blocs, 8 blocs en comptant cet endroit-là où je suis. Et à chaque fois qu'elle descend d'un bloc, ça repart à zéro. Donc là, regardez, on a un bloc, deux blocs, trois blocs, quatre blocs, cinq blocs, six blocs, sept blocs. On a sept blocs parce que comme ça, l'eau, elle va aller jusqu'à là, ici où je suis. Elle va tomber d'un bloc, donc elle va recontinuer. Là, on a de nouveau 7, elle va tomber là, elle va recontinuer. Tomber là, recontinuer. Tomber là, recontinuer. Et quelqu'un a enlevé une herbe. Et là, ça va arriver juste au bout parce que là, il y en a 8. Et ça va tomber ici. Et celui qui a enlevé une herbe, je vais le défoncer en fait. On va essayer de casser sans que ça soit trop visible. Hop là. Elle est toute cassée. Ça ne s'écrit pas comme ça, mais c'est pas grave. Vous voyez, avant vous allez descendre à pied, maintenant j'ai juste à voler et puis c'est bon. Voilà, ensuite vous faites cuire votre corus. Tranquille. Pourquoi au revoir? Pourquoi au revoir? Attends. Sur. Ah non, je pense qu'il dit au revoir. Il part juste de la maison de quelqu'un. C'est. Quand tu peux faire bouger, dis-moi quand tu peux. Et d'ailleurs, moi, ça ne s'écrit pas comme ça. Ah, j'arrive pas à voter. Voilà, donc aussi, ben, là, je vais vous montrer, il s'appelle Boots, comme je vous l'ai dit, je crois vous l'avoir dit. C'est un cheval squelette. Et donc, les chevaux squelettes ont beaucoup de vie, plus que les chevaux normaux. Et puis il est relativement rapide. Alors c'est pas le plus rapide, hein, mais c'est déjà pas mal. En plus ça colle assez bien avec mon skin, on va dire. Chevalier squelette sur un cheval squelette. Voilà, donc j'aime bien. Je suis content qu'ils aient ajouté ça parce que ça a toujours existé. Le truc, enfin les chevaux squelettes ont toujours existé, mais c'était dans les codes du jeu. C'était dans le code du jeu, mais ils pouvaient pas spawn. C'était en fait pour les créateurs de map. Pour pouvoir, tu vois, faire des trucs spéciaux avec. Et ah, d'ailleurs, moi je peux faire du mending là. Oh. La seule chose sur laquelle il me manque mending, c'est bien une. C'est pas le chien. La seule chose donc qui me manque, enfin, les seules choses sur lesquelles il me manque mending, ah oui, mais c'est normal que ça crisse plus un peu. Je sais pourquoi. Donc, les seules choses qui me manquent pour. Qui sont pas mending, c'est la canne à pêche. Une canne à pêche mending et une canne à pêche infinie. C'était pas une bonne idée de faire ça. Je vais étouffer. Et il me manque encore ma pioche fortune. Même si la pioche fortune, je ne l'utilisais pas trop non plus. Et celui qui s'amuse à faire des trous devant ma maison, je vais le tuer. Alors, on va vite se faire un bouquin mending. Il en faut 18. Nous, je remarque qu'on a eu pas mal de chance parce que je suis tombé sur quelques vidéos où les gars avaient des villageois qui échangent mending. Ça leur a coûté dans les 38, un truc du genre. Donc moi j'ai vraiment de la chance, ça me coûte que 18. Le villageois était relativement bon. Okay. Il va falloir qu'on lui décore un peu là parce que c'est plutôt moche. Et puis j'ai prévu, je pense qu'on va. Je pense qu'on va là, mais du genre mettre des portails, les portails dinosaures ici, je sais pas. Faut
faudra qu'on aménage un peu parce que là c'est moche. Voilà. Alors, où est-ce que j'ai mis. Ah non, mais village invisible, ça qui m'intéresse. On peut se faire un livre mending qu'on va mettre, je pense, sur la canne à pêche. Ah merde, faut les... À chaque fois, j'oublie. Oh, j'ai pas de livre. Bon. Ah oui, j'ai échangé des arcs Infinity. Bon, celui-là va me coûter hyper cher à réparer parce qu'il est vraiment pété. Mais bon. Faire avec. Alors, est-ce que j'ai des livres? Est-ce que j'ai des livres? Je crois pas. Alors, je vais essayer de trouver des livres. Et puis, on se retrouve. What? Bonjour. Ok, il s'est passé un truc avec les Elytra. C'est un petit glitch, je crois. Ah bah tiens, mais là j'ai oublié. Attends, on va changer ça. Bon, je vais chercher des bouquins et puis on se retrouvera. En fait, on va faire des bouquins plus tard. Là, je vais vous montrer un truc un peu sympa, on va dire. C'est sympa, je trouve. Franchement, c'est sympa. Et vous allez le voir tout de suite. Je vous fais juste une ellipse. Il y a vraiment quelqu'un qui me cherche sur Nemesis. Genre, vraiment, il y a quelqu'un qui veut me faire rager. Pourquoi est-ce qu'on me casse ma terre? Pourquoi est-ce qu'on met de la clé devant chez moi? C'est absolument moche. Si je trouve. Bon, d'accord, c'est juste quelqu'un qui a creusé et puis. Je vais m'énerver si je redécouvre un de ces trucs. Nous nous approchons de la civilisation. Voici donc, on est tout près de la maison de notre ami, le Pig Slayer, qui s'appelle sur Minecraft Léviator 68. Et qu'ici je ne me trompe pas, mais voilà, il est pas co. Mais, enfin voilà. Il est pas co. Oups. Une sweep attaque, parfois c'est un peu chiant. Ok. Alors là on est vers chez lui. Il a fait un petit village. Voilà. Avec les merveilleux bugs de génération de terrain. Hop là. Lance une flèche pour générer. Voilà. Alors, comment. Bah son village il est pas mal, je trouve. Sympa. Mais surtout, la source qui nous intéresse, c'est cette merveilleuse chose ici. Qu'est-ce que c'est? C'est une tour à Ymitra. Alors, je vais tout vous montrer. Et maintenant, il faudrait qu'il éclaire un petit peu autour parce qu'il y a des mobs, même trop. Alors, la seule chose que vous avez à faire, c'est vous avancer sur la plaque de pression. On va en faire une aussi, hein. Vous avancez sur la plaque de pression avec les pistons parce que ça va vous faire monter. C'est un nouvel ascenseur de l'imposteur. Et maintenant que vous êtes tout en haut et que vous avez le vertige, vous évanouissez et vous tombez. Alors maintenant, on peut faire pas mal de trucs depuis là. Alors, c'est vraiment pas mal. Je peux rentrer chez moi directement. Hein. C'est vraiment super. On a une belle vue. Alors, attendez, je pense que je veux juste. Bah, on va rentrer. Et voilà. Vous planez. Le seul problème que je trouve aux Elytra. C'est la génération des chunks. Parce que tu vas tellement vite que le monde se génère même pas. Et t'arrêtes pas de foncer dans des trucs. Et là, par exemple, voilà, là. Vous voyez, je suis quand même allé de tout là-bas à ici. En Elytra. D'ailleurs, mes Elytra sont même des. C'est juste hyper pratique, tu vois. Donc on va essayer d'en faire une. Ouais, on va en faire une, je pense. Tout près. Je pense qu'on va la faire. En haut de la montagne, là, tout en haut. Oh, je n'avais pas vu qu'il y avait un trou. Bon, en attendant, moi je cause, mais on n'a toujours pas fait la ferme à faire. Alors je vais vite. Bonjour. Mending, elle enchante le plus cheaté du jeu, selon moi. Genre vraiment. Ta mending, ton stuff se casse jamais. Si je devais choisir un seul enchant parmi tous ceux qui existent, je prends Mending direct. Hop, excuse monsieur, c'est pour un échange. On peut se faire deux émeraudes. Allez, ouais. Youpi. Donc on va échanger du Mending et on va mettre ça sur la canne à pêche. Parce que ma pioche, mes deux pioches Fortune 3... J'ai encore jamais eu à les réparer parce que je les utilise que pour miner le minerai, vous voyez. C'est normal que ça s'use très lentement. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à enlever toutes les flèches de mon piège à l'entrée, donc ça m'énerve beaucoup parce que j'ai farmé 6 stacks
exprès pour qu'il y en ait un par dispenser. Et visiblement, je crois que personne n'est mort dedans, mais pourtant il y en a plus. Et pourtant, j'ai mis du genre des échelles sur le dispenser, comme ça on peut pas rentrer dedans en faisant tout droit. Et malgré tout, quelqu'un a réussi à toutes les enlever. Alors bravo à lui. Oh non, j'ai pas fait assez. Si, j'ai fait assez. Alors, cuir. On va se faire deux bouquins. Hop là. C'est sérieux. Mais what? Voilà. Deux bouquins, puis on va aller changer du menu. Puis je pense que d'ici très peu de temps, on pourra se faire le deuxième qui nous manque. Et alors, on utilisera toutes nos émeraudes pour faire du commerce de mending, du genre on échangera des gens du mending quoi. Mending. Alors, où est ma canne à pêche? Est-elle... Ah, elle est là. Elle est là. Mending. Le code de CM Breaking. Mending. Le Unbreak, il sert même à rien en fait. Ok. On a un peu de Dragon Breath. Ça, c'est pas mal. Et là, j'ai un petit livre pour dire ce que j'échange, comment je chante. Vous pouvez obtenir jusqu'à deux arcs Infinity non abîmés, parce que je vais juste réparer l'arc. Des livres Mending, des livres Ultimate 2 Power 4 et Death Strider 2. Un arc quasiment maxé, donc c'est Power 4 Mending, Gunbreaking 3, Infinity et Punch 2. Il n'y a juste pas Flame. Donc si ça les intéresse, ben, ils me disent. Par contre, il n'est pas sur le serveur. Ah si, il est sur le serveur. Je l'ai pas vu. Sûrement. Ok, bon. Alors on va vite aller au spawn après. Je vais vous ellipser rapidement. Et puis, ben, je vais vite aller poser ça dans mon coffre pour que les gens qui sont intéressés par des enchantes puissent échanger des enchantes, tout simplement. À part ça... Et oui les amis, c'est l'heure de la récolte. On va se faire tellement d'émeraudes. C'est merveilleux. Alors là, il faudrait que j'éclaire un peu pour que ça soit plus rapide. Alors... Pourquoi est-ce qu'il tombe tout le temps, le gars? Je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je sais pas pourquoi il tombe. Qu'est-ce que tu fais? Le gars qui ne crevait jamais. Là, ça va être sa 15e. Le score va monter sous nos yeux. Je crois. Ah, d'accord. Il fait un ascenseur. Le gars il va crever 5 fois et tout. On va bien rigoler. Oh. Je vous parie qu'il tombe encore une fois avant la fin de l'épisode. Et si tu regardes cette vidéo, ne vois rien de personnel, c'est juste un pari. Bon. C'est pas que je veux que tu tombes. Et j'ai l'inventaire fou. Ça on s'en bat un peu les steaks, les poisons. Il faut exactement un stack pour tout replanter. C'est 8x8 quoi. Et j'ai appris récemment que... si on fait ça, ben c'est moins rapide à pousser. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est les faire pousser en... Comment est-ce qu'on dit? Les faire pousser en ligne. Seulement une. Vous faites une ligne comme ça, comme celle-ci. Puis vous mettez de l'eau entre deux, comme ça, ça va pousser beaucoup plus vite. Ça, je ne le savais pas. Donc, je le ferai sûrement. Et on fera sûrement une ferme automatique avec les villageois. Là, je mets les poisons mousses. Alors ça, c'est tout ça qu'on va transformer en émeraude, hein, juste je vous dis ça comme ça. Et ensuite on va revenir. Donc je vais vite échanger ça. Regardez juste le fric qu'on va se faire. Ok. Échange ce bloc. Donc vous avez d'ailleurs vous sortez pour voir si les blocs sont trade automatiquement. Non. Et la réponse. Tu veux pas débloquer ton trade. Alors. Vous allez lui échanger une des émeraudes que vous, bah, vous avez gagné. Bah, voilà, on veut des cookies. Des cookies. Normalement, il se débloque. Et ouais. Et vous allez lui rééchanger basse patate. Et normalement. Ouais, j'ai juste à tout échanger. Vous voyez, on a déjà 11 émeraudes. Hein. Maintenant, on n'a plus qu'à aller chercher les carottes. On fait l'origine. Il a fini. Ok, cool. Ok, alors ben, à la place d'aller faire mes patates et tout, je vais directement aller faire le vin avec lui. À tout.
Et combat contre un. Oh, portée. Oh, son arc qui fait mal. What? J'ai failli crever. Oh. Oh, tu sais, d'un coup j'ai perdu la moitié de ma vie, j'ai rien pigé. Du tout. Non, attends, je vais lui mettre un coup. Parce qu'à chaque fois, du genre, il y a des zombies qui sont venus me shot. Ah, il y a un zombie qui va le taper. Oh! Je l'ai eu, et bim! Ah, ah merde, mais il est en full fer, ça va le buter. Là, je lui mets un coup, je parie qu'il crève. Tout ce que vous voulez. Oh là c'était. Oh, je crois qu'il y avait une sorte de squelette. Voilà, je crois qu'il est mal. Là, je crois qu'il est mal. On va le laisser tranquille. Ok, d'accord. T'en veux encore? T'en veux encore? T'en veux. Ah, d'accord, c'est un squelette. Là, j'ai cru que c'était lui qui comptait me tirer dessus. Lol. Moi, avant, il m'a mis à deux cœurs. En fait, c'est parce qu'il y avait un squelette qui m'a gangbang pendant que lui me gangbang. Donc, au final, ce que ça donne, c'est un squelette à 3 mètres de toi à qui essaye de te shot pendant que ton ami te shot avec un arc power 5. Et ça fait mal. J'ai qu'un arc power 5, je crois que ça te full shot. En plus, moi j'ai punch. Donc, mon arc. Vous aurez. Attendez, je le tape, je vais tomber XD. Bon. Merci. What? C'est moi ou? Ouais. Attendez, j'essaie juste d'avoir un achievement. C'est tuer un squelette à 50 mètres, je crois. Ah, mais je sais pourquoi ça marche pas. Parce que ça les enflamme, en fait. Non! Enflamme-le pas! Le tuer. Hop. J'essaie juste d'avoir l'achievement. Bon, alors. Ouf. Là. Et j'écris Alfec. Hey. Ok, là où? Désolé mec, ça n'a rien. Je n'ai rien contre toi, petit squelette, mais il fallait que tu meures. Attends mec, os. Et c'est là que les élytras sont plus pratiques que tout. Hop là. You. Ok. Ok. Le gars, je te parie qu'il va crever avec son armure full fer. Ben déjà, on va faire des torches et on va se crafter un coffre. Voilà, on va même se crafter des coffres. 4, d'après mon calcul. Et donc, on va poser tous les matériaux que j'ai pris dedans. Parce que j'ai même pas besoin de la moitié de ce qu'il y a dans mon inventaire. Voilà. Juste si j'en ai besoin. On va faire des torches. Belle masse de stick. On va faire 4 bons stacks de torches. Ouais, je l'appelle juste sur le téléphone. Comme ça, je peux un peu lui parler, ça sera plus simple. Même beaucoup plus simple. Et elle a l'air pas mal. Cette ferme à faire. Je vois que je vois rien en fait. Celle de Motor Shop. Salut! Alors, mec, là par contre, j'ai un écho de moi. Ouais, absolument horrible.
Ah bon? Bah attends, je vais baisser mon son. Là, est-ce que tu m'entends? Ok, c'est absolument dégueulasse. Je sais pas comment faire. C'est pas censé quoi. Ah, mais c'est dégueulasse. Bon, Ah, tiens, là, ça me fait plus. Non, ça refait toujours en fait. Oh là là. Tu peux pas baisser le son peut-être, je sais pas. Attends, j'essaye au moins aussi, hein. Attends, est-ce que là ça fait? Ah non, là c'est bon. Là c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, à cause de ça, c'est probable que vous ne l'entendez. Ben, j'ai toujours un petit peu de temps. C'est probable que vous ne l'entendiez pas. Alors, c'est un peu dommage. Mais bon. Quoi? Alors, j'avais prévu en fait, si toi ça te va, de casser un petit peu là. C'est de faire un petit peu une clairière. Ouais, on récupère des champignons. Voilà. On casse un petit peu ce qu'il y a là. Comme ça, on fait du genre un petit trou dans la forêt et là, on va faire notre usine à fer. Ouais, tu peux vite aller sur sa chaîne, checker, s'il te plaît. Merci. Pardon? Quoi? Si tu regardes juste un petit peu pour voir le design de l'usine, s'il te plaît. Ok. Juste si jamais va pas voir l'Iron Titan parce que ça va prendre des années à la faire. Hein. Tu prends juste la petite qui. On fera une Iron Titan quand on sera un peu. Enfin, du genre quand on sera. Moi je dirais qu'il faudrait minimum être 5 pour la faire vite. Parce que sinon ça va prendre des jours et des jours. Oh, on n'est pas obligé en fait. La faire au spawn en fait, c'est parce que comme le spawn est toujours chargé. Alors en fait, ça va toujours marcher. Même si t'as des milliards de blocs, ça va toujours marcher. Mais la faire au spawn, ça a aucun. Ça va pas changer le truc. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Donc, moi, en attendant, je pète les arbres et je te défends. Mec, tu sais, à un moment, il y a une de tes flèches, elle m'est arrivée dessus, j'avais deux cœurs. Et tu sais, elle m'est arrivée dessus, j'avais hyper mal. Et au moment où ta flèche m'a frappé, il y a la flèche d'un squelette qui m'a frappé. Donc, j'ai giclé et tout. Et il me restait deux cœurs, j'ai trop flippé. Et puis, je voyais pas le squelette. Puis, j'ai juste réussi à le trouver, à le shot. Et puis ensuite. Ensuite, j'ai pu essayer de régène. Parce que vraiment, l'arc power 5, c'est. Un coup, t'es mort carrément en fait. Un coup, t'as la moitié de ta vie. Ouais, sans armure, ça te one shot. Enfin, il y a des chances. Ouais, fais comme tu veux. Bon, faut casser. Le point positif là-dedans, c'est que vous allez avoir masse Dark Oak après. Enfin, moi, je vais avoir masse Dark Oak. Masse Dark Oak. Oh, une pomme! C'est pour moi. What? Pourquoi ça m'a... Monsieur Squelette, tu vas décéder et pas plus tard que maintenant. Hop, hop. Au revoir. Comment tuer un squelette? Alors. Là, on est quand même assez... proche, on va dire, de l'extérieur. Alors, en fait, faudrait pas d'abord ramener les zombies ou alors on en purifie, c'est toi qui vois. Mec? Bien sûr. Est-ce que les zombies villageois peuvent monter aux échelles? Avant non, mais je sais pas s'ils ont ajouté ça parce que je me rappelle du genre que j'avais enfermé un zombie puis qu'il était monté à l'échelle, mais je suis pas sûr. Si ça se trouve c'était un quoi?
Ok. Ok. Là. Là. C'est dégueulasse ce son qui vient. Faut casser tout le bois. Le point positif, c'est qu'après, on est riche en bois, tu vois. Là, du genre, on a 1, 2, 3, 4. 4, 5 stacks. C'est juste OP. Alors, moi, je propose on casse encore celui-là. Et là, on a assez de place. Alors, si je me rappelle bien la tox, tu dois poser un sol sur lequel tu vas mettre tes villageois. Tu vois sa vidéo là? Mais c'est vraiment dommage qu'on puisse pas du genre téléphoner en faisant autre chose sur le téléphone, quoi, tu vois, je pourrais. Oui, ben attends, je te propose un truc. Je t'appelle avec mon tel. Ok. Je te téléphone avec mon téléphone de la maison, enfin pas le portable. Comme ça, c'est plus simple, ok? Et puis comme ça, je peux regarder encore la vidéo. Ok, d'accord. Bah alors, tu me dis à peu près comment faut faire. En attendant, je terraforme un peu. Oh merde, ma pioche est... Mec, t'as une pelle en bon état? Bien sûr. Cool. Parce qu'en fait... Alors, est-ce que tu me la prêtes ou tu... Parce que la mienne, elle est carrément pétée, elle est dans le rouge, donc je préfère pas trop la... Ah, c'est pas grave. Mais si... Ouais, c'est une belle... C'est une bonne... pelle. Après, j'ai peur de la casser, hein. Ouais, je fais juste un petit peu le sol à la même hauteur. What? Ah bah d'accord, cool alors. Bon, je vais quand même essayer de pas la casser, hein. Alors c'est quoi le modèle? C'est quoi? Faut faire un cube de combien sur combien? J'ai exploité le bug avec les élytras qui font que tu peux rentrer dans des trous de 1x1, tu sais. Eh oui! Je fais un bloc désormais. Tu me vois là? Regarde. Regarde sous l'arbre. Tu me vois? Oui! Je suis sous le sol. 18 sur 18! 18 sur 18! Ok, bon, bah, je le fais, hein. Je le fais. Bon, ça va. Pardon? Le sol, tu veux dire? Ouais, parce que ça coûte moins cher, en fait. Ça, en fait, ça coûte deux fois moins cher de bloc, en bloc, en fait, parce que les demi-dalles, ça coûte exact. Enfin, voilà. Ok, ben alors, tu veux que je te... Je vais faire le truc, hein. Quoi? Ouais, on boite des forêts, comme ce qu'on vient de casser. Si ça te va. Enfin, je trouve que c'est déjà, un, c'est cool parce qu'on en amasse. Et deux, ben, ça reste un peu dans le même contexte, quoi. Puis ensuite, on décorera bien autour et tout, on mettra des petits chemins. Fois 12 donc 18 fois 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14. Ah non mais mec, faut pas le faire en demi-dalle comme ça, sinon ça va jamais spawner. Faut faire en demi-dalle dans le sol.
Faut juste encore péter une couche de sol, quoi. En plus, ça va être la nuit. Oh. Tes sœurs, elles crèvent trop. Genre, on devrait faire un truc, au bout d'une centaine de morts, vous êtes bannis. T'imagines ça? Quoi? Chaque semaine. Et on reset. Mais après, faudrait reset le compteur, donc ça serait pas cool. Parce qu'on veut voir le nombre de morts total, tu vois. Ou sinon, on fait un autre compteur qui se reset chaque semaine. Bon, ouais, ça c'est facile. Enfin, moi, je trouve ça facile. Et enfin, on peut faire ça avec des common blocks, tu vois. Bon, après, après, c'est plus vraiment de la survie 100%, tu vois. C'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'on est obligé d'utiliser un peu les command blocks, tu vois. Mais bon. Purée, mais ça se remplit vite, l'inventaire. T'es en train de... Mec! Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est cet auteur-là. Donc, t'as 18, là? 2. Purée, sérieux? Bien sûr. Mais alors, faudra que tu coupes un petit peu. Puis là, je dois juste buter. Fais gaffe, il y a un zombie qui voulait t'aller dessus. Bon, ben, je te laisse casser un peu des blocs parce que moi, j'ai plus de pelle en fait, tu vois. Pareil. Surtout ces temps-ci. En fait, ces temps-ci, c'est surtout parce que je me trimballe une trentaine d'items, donc. Oh. Je vois que dalle sur mon écran. J'espère que vous voyez bien. Mais normalement, sur YouTube, vous voyez mieux. Là, c'est 18. Mec, là, il y a 18. Ok. 3, 4, 5, 6, 7. 12. 14. 15, 16, 17. Oh, mais sérieux! 18. Ok. Après, il va nous falloir des portes, mon gars. Beaucoup de portes. Je propose qu'on mette juste un bloc entier, enfin deux demi-dalles à chaque coin. Pour un peu pouvoir situer. What? Pourquoi il y a deux rangs? Ah, t'as commencé à. Oh, j'ai eu peur. Ok, bon, il y a trop de mobs, mec, fais gaffe. Il y a des creepers. Attends, je vais torcher autour, ok? Ouais, attends, non, non, c'est moi qui t'ai donné exprès pour que si jamais t'as besoin, tu puisses torcher. Ouais, mais t'inquiète, c'est qu'un squelette. Enfin, je suis P4, ça va. Ah, ouais, c'est vrai, toi, t'es full fer. J'oublie toujours que t'es full fer parce que j'ai trop l'habitude de te voir full diams P4, tu vois. En fait, j'aime bien parce qu'on est un peu les seuls sur le serveur qui avons un stuff respectable, tu vois. Les autres, ils sont un peu en full fer, tu vois. Le full fer, c'est très bien, mais c'est un peu galère sur un serveur PVP. Quoi? Oui, Dev. Oui, je voulais dire Dev aussi. Oh, Creeper que j'avais pas vu qui sort de l'ombre. Meurs, Creeper. Quoi? Non, mais vas-y, dis. Mais la blague était pas très bien. Alors on laisse tomber. Ça? Oh, je suis un génie.
J'ai trouvé ça tout seul. Ouais, j'en ai 15. Allez, 15 abonnés. Bientôt, j'aurai beaucoup de YouTube money. Bon, bah j'ai torché avec un stack, hein. Un stack de torches. Donc si ça suffit pas, franchement, les mobs... Ah ouais? Ok, bon, on continuera une autre fois. Ah, mais moi, je sais pas. Hein. Je ne sais pas. Une. Non! Ok, bon, bon, voilà. Ok, maintenant, c'est quoi la suite? Autour des portes? Ah, ok, bah. Commence? Ouais. Les portes. Bon, bah, j'en fais masse, hein. Genre vraiment masse. 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 J'ai fait un stack et demi. Non, un stack? Un stack et demi, ouais. Et je fais des jolies portes comme ça. Alors mec, je les pose où les portes maintenant? Enfin, je les pose sur les bords là comme ça direct. Ou je les pose un de plus éloigné. On fait deux de hauteur et on pose les portes. D'accord. On va faire ça. Oh. Ah d'accord, là je me disais il y a des blocs qui se posent tout seuls. Bah non, c'était toi. Je mets quelques torches. On y voit déjà un peu plus clair. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que je les ai mis sur la diagonale. Eh, j'ai fait la diagonale parfaite. Sauf pour là. Et pour là. Mais... Ah si, là. Mais non, là. Ah, mais c'est parce que ça, c'est pas au milieu, en fait. Ok. Ah ouais, ça, je me souviens. Je crois que j'entends Matox qui parle derrière, en mode... en mode, vous allez poser vos portes comme ceci. C'est assez sympathique. Pour voir Creeper. Donc, je les pose comment, les portes? Dans quel sens? Ouais, ouais, c'est mieux, t'as raison. Ok. Ok. Ah! Excusez-moi. Je suis si émue à l'idée de l'usine à faire. N'empêche, ça va être tellement pratique. What? Mais d'où j'arrive pas à le toucher, mec? Attends, attends. Oui, mais je les mets dans quel sens? Enfin, il faut qu'elles soient comme ça à l'extérieur. Ok? Ok, bah c'est bon. Hop là. Eh bah sérieux, non mais sérieux. Elle s'est pas bien mise. Mais sérieux? Ça m'énerve. T'as des portes?
Ok. Chacha, ah oui, d'accord. Lui, elle habite devant chez toi, en fait. Elle habite juste à côté de chez lui, dans une sorte de... dans un endroit dégueulasse. Genre, je crois qu'elles ont pris une île et elles ont fait un gros carré avec de la dirt, et puis c'est dégueulasse. Charlotte. La sœur à Aurélien. Mais what? Mets ta toi. Maintenant, le nouveau système de placement des portes, parfois, ça t'embête un petit peu. Quoi? Non, c'est pas nouveau. Ça date quand même. Mais moi, la première fois que j'y suis allée, j'étais là, mais c'était ça. C'est possible. Possible. J'ai bien écrit possible. Bon bah je fais comment maintenant? Juste qu'est-ce que c'est? Le toit en demi-dalle de manière à ce que les mobs puissent pas spawner. Ok. Forcément en shiftant on peut pas. Bon bah maintenant faut que je monte. C'est pas très gentil, hein. Mais là, les mobs, ils peuvent spawner, mec. C'est au niveau des portes. Mec. Ton toit, il est au niveau des portes. Ah, c'est normal. Ok, bah oui. Donc, il y a les portes qui dépassent un peu sur le côté, d'accord. C'est celle-là que... On s'est trompé dans un truc au tout début, alors on a tout recommencé. Allez. Attends, juste je vais fermer un peu mes rideaux parce que là il y a trop de soleil qui rentre et je vois que dalle. Genre vraiment que dalle. Je vais fermer un peu les stores. Voilà. Je vois déjà mieux. Voilà, oh là je vois bien. Là je vois bien. Voilà. Après on pourra du genre un peu faire de déco, je pense qu'on pourrait mettre des feuilles, non? Un peu comme une toile. Bon, t'as pété l'arbre là? Attends, il faut le péter. Parce que là, il nous embête. Tu nous embêtes, arbre. T'es un chêne noir. Enlève-toi. Oh ouais, ça. Bon, au pire, on purifie, hein. J'ai deux pommes d'or à la maison. Au pire. Après, on peut aussi faire. Parce que je me dis, franchement, un ascenseur à eau et tout, ça va être hyper saoulant. Ça va nous prendre du temps en plus, hein. Parce que moi, rien que pour mon usine, j'ai bien galéré. L'usine à zombies, là où je les amène à. Ça a pris bien, bien du temps, mec, hein. La masse de bois. Lol, oui. Oh, ok, d'accord. Ok, là je passe pas en fait. Vous ne passerez pas. Quoi? Ah, ça c'est sûr, mon gars. À 1, ça aurait pris pas mal de temps. Après, pour qu'on puisse rentrer dedans encore. Hein. Je propose que là, on fait déjà un étage pour commencer. Et ensuite, on fera du genre une dizaine d'étages. Comme ça, on aura vraiment l'usine massive. Bon, après, hein, là, on a le temps. Au début, on en fait deux ou trois comme ça. Enfin, là, on en fait un.
Ensuite, on en fera peut-être deux ou trois. Puis si vraiment on a plus besoin de faire, eh ben, on commencera à la. Ouais, deux, je pense que c'est assez. 15 quoi? 300 par heure? Ah, 60 par heure, ouais. J'ai eu peur, mon gars. Parce que 300 par heure, c'est 5 stacks, vous voyez, donc. Mec! Oh là là. Ok, c'est bon. Next. Mec, normalement j'ai du bois qui est un peu là-bas, alors j'arrive tout de suite. Parce qu'en fait j'avais eu l'idée de le faire là-bas. Et puis j'ai laissé un coffre normalement, si personne est allé vandaliser le coffre. Mais les gars, les élytras, c'est tellement pratique. Ouais, il y a un coffre. Il y a même trois coffres. Enfin. Oh, hein, quoi? Oui. Je sais pas, mais je vais devoir arrêter, mec. Enfin, attends, j'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite, hein. D'avoir quitté un moment, je devais parce que j'ai dû aller ouvrir à quelqu'un qui sonnait et qui s'est trompé d'étage. Tu sais, j'étais là, c'est qui? Et tout, enfin, tu sais, il sonne en bas, tu sais, il sonne pas devant chez moi. J'étais là, c'est qui? Personne répond. C'est qui? Et tout, Et puis après, je descends en courant les escaliers pour voir qui c'est. Et puis, c'est un gars que je dis genre qui habite en dessus de chez moi et tout. Et puis, il fait bonjour. Et puis, je fais, vous avez sonné chez moi. Puis là, j'ai dû me tromper, désolé. Voilà, donc. Oh. Oh. Ah, mec, aussi. Là, j'ai trouvé pas mal de bois. Enfin, j'avais un autre coffre, en fait. Qui était un peu plus loin. T'es où? Ah, oh, mais là, là. J'arrête pas de tomber, mec. Ah, ouais, je te vois. Donc, faut faire quoi maintenant? Mec. Tu vis toujours? J'ai 41 de charbon, ça c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant là? Ouais, c'est bon. Quoi? J'ai pas compris ce que je dois faire en fait, c'est ça le problème. Ouais, pour pas que ça spawn. Donc c'est là en haut, on fait encore un étage et au-dessus on met ça. Ah bah les demi-dalles. Je propose qu'on fasse déjà tout le tour en bois et ensuite on fait avec des demi-dalles. Parce que sinon après on va switcher vers bloc demi-dalles, bloc demi-dalles, bloc demi-dalles. Bah, continue ce que je fais là, puis moi je pars de l'autre côté. Oh, les élytras. Parfois, les élytras, ça fait des trucs hyper bizarres. Tu sais, ça te projette dans les airs un peu. Puis tu voles un peu au ralenti, ça c'est marrant. Enfin, moi j'aime bien. Mais mec, cet arbre, on a pété le tronc, il devrait être cassé. Donc il pourrait se casser un peu plus vite. Je vais juste me décaler un peu pour pas avoir la lumière qui me vient dans les yeux. Ce bois, il est tellement noir, il est tellement sombre que du genre tu vois que dalle. Et puis moi comme j'adore ce bois, ben c'est mon bois préféré, je pense. Je trouve que c'est le plus beau en fait. Puis les bugs d'éclairage, j'ai l'impression qu'ils sont deux fois plus fréquents depuis la 1.9. Avant, je remarquais jamais de bugs d'éclairage, là j'en vois tout le temps et ça me rend malade.
Je déteste les bugs d'éclairage. Ah ouais? T'as de la chance, mec. C'est dégueulasse, les bugs d'éclairage. Mais mec, j'ai pété les troncs des arbres. Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours en vie? Va te calmer. Ah d'accord, c'est parce qu'il y a encore un bois là. Ouais, si ça touche un autre arbre. Je casse juste l'arbre. Ouais, pour laisser tomber les golems. Donc si vous connaissez pas le principe de l'usine à fer, c'est juste des villageois qui vont faire spawner des golems en fait, par contre on sera dans un village. Et ben ces golems là, on va les tuer puis ça va nous donner du fer. C'est vraiment, je crois qu'on peut pas refaire du bois avec les dalles, non? Ça c'est un peu dommage je trouve. Tu fais quoi? Tu cherches le milieu? C'est où? Ah, on les cherchera après. Et faut mettre des pancartes, j'imagine. Enfin, attends, j'ai pas d'eau là, donc je vais vite en chercher, ok? En fait, est-ce que j'ai du fer? C'est ça la question. T'as du fer sur toi là? Tu peux m'enfiler du genre de quoi faire une source infinie? En fait, il m'en faut juste un. Ah non, il y en a un, il y en a un, c'est bon. Je vais vite. Non, mais c'est bon, mec, j'ai déjà... Alors, je vais juste aller essayer de trouver une source d'eau. Dans le marais. Pour pouvoir... What, mais il y a des mobs partout. Éclaire un peu devant chez toi, parce que quand je viens, à chaque fois, c'est dangereux, tu sais. Là. Et un seau. J'ai plus qu'à revenir à le poser et puis à en reprendre un. Pour faire la source infinie. Sans me faire jeter par les squelettes, bien évidemment. Ah, ouh, arrêtez. Mais arrêtez! Toi, je te défonce. Toi, je te défonce. Pas. Si. Voilà, lui, il est mort et puis... Lui avant qu'il nous embête de nouveau. Voilà. Maintenant il y a des zombies, mec. On dirait vraiment que les mobs nous en veulent. C'est un peu le principe de Minecraft, mais. Attends, j'essaye juste de revenir. Il y a un Enderman qui est en train de souffrir. Parce qu'il pleut. Il n'y a pas d'eau un peu plus proche. Il y a un squelette, il y a un zombie qui vient, tu peux le tuer s'il te plaît. Wow, ça c'est trop cool, genre on vole et on prend de l'eau pendant qu'on vole avec les Elytra. Et ensuite tu refais une... Après tu remontes un piqué. Et puis ben... Voilà. Oh oh. Hello. C'est pour avoir la paix. What? Je vois rien dans la forêt. Attends, c'est pas... Wow, il y a des bugs d'éclairage de malade. Hein. Merci Minecraft. Merci Minecraft. De dehors, ça donne un truc assez chelou avec des portes et tout. On peut même pas rentrer. Tu viens de tuer un squelette. Je t'ai entendu. Là. What? Ok. Bah il est par... Non, c'est juste parce que j'arrivais pas. Il y a la... Wow, wow, mais mec, arrête de me taper! Et bah tu arrêtes! Parce que là, ça devient blessant. Hein. Ok. Alors là, il y a un truc que je comprends pas par contre, c'est que... Tu sais, là, juste avant, je demandais à Léviator, est-ce que tu peux me montrer comment t'as fait ton modèle d'ascenseur, tu vois. Et le gars, il me dit ouais, et tout. Et puis je fais, bah, alors viens chez moi, et le gars, il se déco. Et on ne le revit jamais. Ah, c'est l'eau ici, c'est ça? Ok, fail.
Alors comment l'eau? Quoi? Là? Ouais, tout là, quoi. Ok, bah faut juste que j'aille en chercher un. Hein. Par contre, la lumière, c'est infâme. Tu peux poser quelques torches sur les murs? Ah, d'accord. Ouais, parce que j'avais vu la vidéo il y a un moment. Je me disais, ah, l'eau, c'est là. Et tout bien, ça fait. Non. Donc. Ah ouais. Donc l'eau, je la mets où finalement? Aux deux en fait. Je le mets. Attends. Ouais, faut les mettre partout. Donne le seau alors, c'est bon, je le fais. Je m'occupe de cette lourde tâche. Bon, bah, je te laisse faire, hein. Non! Faut faire des pancartes, gars. Faut faire des pancartes. Il faut manger aussi. What? Merci les élytras. Neuf, ça va suffire amplement, je pense, de pancarte. Hein. Ok, alors. Donc, si j'ai bien compris. What? Tout ça se casse. Ah, ouais, d'accord. Comment est-ce qu'il fait pour poser des pancartes, Matox? De mettre l'eau? Ouais, mais l'eau elle vient pas dessus et donc les golems ils peuvent nager. Voilà, et donc? Attends, je crois que j'ai une idée. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Enlève rien. Tu les mets sur ces pancartes-là. What? D'où j'ai plus de pancartes? Sérieux? T'as des pancartes? Bouge pas, j'en fais. Il les a mises avant les pancartes, j'ai pas compris. What? D'où mes pancartes, elles sont comme ça. Bon, c'est extrêmement moche, mais c'est pas grave. D'ailleurs, personne viendra ici. Oh non, ça a tout cassé, t'es sérieux? Non, moi. Les pancartes, ça, quand tu les. Oh, désolé. Attends, on va faire un truc. Sérieux. Ok. Ok. Qui? Les golems? Ouais, maintenant ils nagent. Bah, attends, on va faire un truc. Je vais juste me mettre là-haut. Et je vais vite aller voir. Minecraft. Golem. Quoi? Attends, bah, je regarde vite. Ouais, mais lui, il a fait en version antérieure.
Donc je sais pas si ça marche encore. Il se déplace très lentement. Quelquefois peut avoir une fleur rouge. Ils ne savent pas. Et coule au lieu de nager. Attends, je veux juste voir quand ça a été mis à jour pour la dernière fois, la page. Parce que si on découvre qu'elle a été mise à jour il y a 2 ans. Le 5 mars 2016. Bon bah ok. Mais moi j'avais un souvenir très net que ça. Ok. Bah alors ok, hein, moi ça me dérange pas. Bon bah maintenant, en fait, le seul moyen de vraiment savoir, c'est de tester. Mec, il manque juste un seau d'eau là-bas. Mec. Oups. Mais le creeper, mais purée, mais t'es sérieux? Pourquoi les creepers décident toujours d'exploser au moment où t'as juste pas envie? Il y a un creeper qui a explosé, il a juste légèrement endommagé, pour ne pas dire énormément. Non, il a légèrement endommagé le truc. Purée, il saoule. Il me saoule. Tu me fatigues. Quoi? Je t'entends pas. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, d'accord. Je ferme derrière toi, hein, donc si tu veux sortir. Ah non, d'accord. Voilà. C'est refait. Ok, bon, ben là, du genre, il y a le plus gros truc en terre qui ait jamais été créé dans tout Minecraft. On vient de battre un record. Bon, alors, tu peux poser un seau d'eau encore? Il manque un seau d'eau, mec. Oui, t'as pas mis dans un des coins. Ah, bah tiens. D'où là, c'est cassé? Ah, d'accord. T'es où? Ah, mais sérieux? Je descends pour te trouver, tu vas en haut, lol. C'est pas très gentil, hein. Bon, ben. Les villageois. Quoi? Ah oui, il faut faire le trou dans lequel ils vont tomber. Ben. Tu me prêtes. Donc, tu creuses? Et je vais chercher de la lave. Je dirais fait une dizaine de blocs de profondeur. Et moi, en attendant, je vais chercher la lave. Faut juste que j'ai du fer que je n'ai pas. Non, mais il y a sûrement du fer. Juste casser avec ma fortune parce que sinon ça marche pas. Avec le cette. Je vais dans la crevasse qu'il y a vers chez toi. Wow, les élytras, trop cool. Sauf que visiblement, il n'y a plus de fer en fait. Oh là là. Aïe, aïe, c'est mal. Je suis tombé dans de la lave, mec. Bon bah, puisque visiblement le fer est introuvable, nous allons creuser. Je vais creuser sur quelques mètres, je devrais trouver du fer. Ouais, bah voilà, tu vois. Je dis, je vais creuser sur quelques mètres, je vais trouver du fer. Et qu'est-ce que je trouve? Ouais. Tu apprends vite, jeune Padawan. Bon, je creuse encore 5 blocs. 1, 2, 3. Ah bah, il y a du fer. On va dire qu'on est chanceux. Pas de cobble. J'ai pas de chance non plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, bah maintenant faut juste que je me fasse table de craft. Ok. J'ai plus d'eau, j'ai fait 2 tables de craft. Et puis maintenant, faut faire cuire le fer.
Voilà, donc je fais cuire vite fer et je ramasse la lave qui coule. Et puis j'arrive. Par contre, je sais pas si on a assez de lave en fait, c'est ça le problème. Ouais, je suis en train, mais il me faut encore deux fers. Un fer. Aïe, mais j'ai qu'un. Là, je suis en train de faire des sauts, mec. Parce que j'ai pas de fer à la base sur moi. C'est bon. Je te laisse faire le trou, hein. Je vais te chercher là. La, qui est tout en haut. Merci. Bon bah il n'y a plus de lave hein mec. C'est bon. Bon bah maintenant faut remonter hein. J'ai qu'un seul saut mais c'est pas grave hein, suffit, c'est juste que c'est plus moche. What? 45 blocs, ça suffit pas pour remonter. Voilà. Il manque juste bah, deux sauts de lave, je dis, ça serait pas mal, mais bon. Tant pis. On va pas mourir. Bon, ça coule vite. What? J'ai fait un glitch et la lave s'est dupliquée. J'ai fait un glitch et la lave s'est dupliquée, mec. Cool. Ça, c'est cool. Ah non, bah non, le monceau vient de se vider. Ça s'est reset, malheureusement. C'est dommage. Mec, pourquoi t'as enlevé le trou? Quoi? Non, je dis pourquoi t'as enlevé le trou? Parce que moi maintenant je peux plus rentrer. Ah oui, je sais, je vois. Je vois. Bon bah je creuse un petit peu pour venir, hein. Ouais, voilà, je vais. Ok. T'as creusé le trou pour tomber ou pas? Ah bah ça explique tout alors. Ok, bah je te rejoins par le haut. Ah, je te vois. Coucou. Ah, d'accord. Bah, vas-y, fais-la. Je peux mettre un peu de verre si tu veux. Ah, non, mais on n'a pas de verre. Je suis con. Je pose juste un bloc là et je l'enlèverai après. Je vais creuser le petit trou pour. Tu me prêtes ta pelle? Mec! Coucou. Merci. Ah non, je dois la rattraper. Heureusement, j'ai Aquafinity. Hein. Voilà, fini. Maintenant, je peux finir à la poche. Ah oui, mais oui, c'est vrai, là, je suis pas dans la. Pas dans l'eau. Bonjour. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bon. Je pense que là on a bien creusé. Hein. Franchement, ça va suffire. Ok, voilà. Il y a masse d'iorite. Bon, maintenant faut remonter. Hein. Oh là là, saoul. Remonter. Ah! Un truc, c'est que. Ça y est.
Parlez tout ce que vous voulez, qu'après je vais retomber. Écoutez, on s'en fiche. On va remonter, puis c''est tout. Coucou. Vas-y, tu peux pas ça. Ah, tu dois rentrer? Non? Ah, bah t'es seulement tes soeurs. Oh merde. Et il est 23, d'accord. On a tout le temps. Ah. Juste que je réussisse à reposer cette dalle, s'il te plaît. Mais non! Mais c'est impossible d'être stable. C'est le coulant. Voilà. What? Pourquoi il y a des blocs entiers? Oui. Comment je les ressors, moi, en fait, maintenant? Comment je fais? Comment je sors? Voilà. Wow, wow. Je te calme. Attaqué par un zombie. D'où j'ai perdu de l'XP. Ah oui, c'est vrai, j'ai enchanté ma canne à pêche avec Mending. Bon, ben, franchement, je me dis, c'est plus simple de purifier. Fais gaffe, parce que si t'entres dedans, tu ressors pas. Hein. Oh! Purée, mec, j'ai cru, j'ai voulu poser les blocs, j'ai posé le seau de lave sous mes pieds. Ça fait mal. Même si j'ai Fire Protection 3 et que je viens de tomber dans l'eau. T'es où? Dans un trou? Ah. T'es tout au fond? Aïe! Une dizaine? Juste saute d'un bloc. Pardon, pardon, pardon. Y a pas une méthode de remonter un peu plus simple là parce que... Ah bah tiens, les échelles. Les échelles. What? D'où je peux pas prendre ça? T'es là? Ouais, quoi? Tu fais quoi? Mais sérieux, voilà. D'où je fais que 27 échelles, mec. What, c'est quoi ça? Pourquoi tu poses un... Ah oui, bon, moi je remonte, hein. What, c'est quoi ces bleus? Quoi? Des quoi? Ah non, désolé, ça coûte du fer et puis là j'en ai pas. J'ai 5 de fer, donc tu peux juste en faire un. Je les lance. On va s'amuser. Regarde. Oui. Et il va gagner, il va tomber dans le trou. Il est tombé dans le trou. What? Pourquoi je suis tombé comme ça dans le... Ah d'accord. Ah d'accord. C'est ce qu'on appelle... Aïe! Mais t'arrêtes! Tu arrêtes! Ça m'énerve, là. Si jamais c'est un coffre au milieu, parce que moi, avant, je savais pas, enfin, il y a longtemps. T'as un port? Bon.
Attends, peut-être que j'en ai un peu de fer dans mon Ender Chest. What is that? Hey, arrête, arrête. Mec, t'es où? Ouais, faudrait. Enfin, en soi, on n'aura pas besoin de le faire, mais bon. Ah oui, il y aura un chemin qui va rentrer par le assez loin, puis il y aura un escalier, et puis voilà. Bon, bah maintenant pour sortir, hein, la seule solution. Quoi? Refermons derrière nous. Donc là dans l'Ender Chest, t'as du fer toi? Ok, moi j'en ai 47. Il en faut combien de hoppers déjà? C'est bon, je te file. Tiens. Par contre, ça commence à coûter. J'ai commencé à un peu être en rade de fer. Ah mais attends, je sais comment entrer et ressortir. Le chorus. Test. Ça veut m'emmener partout sauf à l'intérieur. Je pense que c'est parce qu'il y a de l'eau. Mais t'es sérieux? Tu m'énerves là. Tu m'énerves. Ouais, je sais pas, je pense qu'il peut pas nous TP dans l'eau. Et c'est un peu logique. Où suis-je? Ok, d'accord. Il veut pas me TP. Mais si je suis à l'intérieur et que j'en mange, telle est la question. Péter celui du haut, mec. Pas celui du bas. Oh, il y a un creeper, mec. Il y a un creeper qui est venu en mode coucou. Et il s'est fait pousser par l'eau. Et il y a un zombie aussi. Mais il y a un creeper, hein. Fais gaffe quand tu sors. Oh, oh yeah, ça fait mal. On va juste faire un test. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok. Maintenant, on va juste alors placer le fer. Hein. Aïe, mec, vas-y déjà et je pète le truc derrière nous. Ah non, mais attends, faut que j'ai la lave en main. Galère. What? Oui, je t'ai dit avant. Mec, j'arrête pas de tomber, j'arrive pas à monter. Oh là là. J'arrive pas à monter. Voilà. Oh, tu m'énerves. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Bon, alors maintenant, c'est le moment où il ne faut pas tomber. Ok. Merci. Ah non, mais attends. Ouais, ouais, c'est bon. Ah, d'accord. C'est bon, la lave est en bas. Donc maintenant, tu ne tombes pas. Sinon, c'est la mort. La mort. Enfin, je pense. Parce que là, ça risque d'être plutôt dur de te sortir de la lave. Us, us, us. D'où? Mec! C'est pas très gentil ce que tu fais. Hein. Visiblement, il y a un squelette qui est aggro.
Bon ben, on va reprendre la vidéo une prochaine fois, les amis, dès que notre merveilleuse amie aura, enfin, pourra rejouer. Ciao! On se dit au revoir avec un petit combat. Allez. Attends, je me mets juste là-bas et on essaye de shot. Pardon. T'avais combien de level? Ok, c'est bon. Bon, ben. Tu respawn à côté? Ok, bah moi je dois y aller. Alors, à plus. À plus, mec. Voilà les amis. Alors, attendez, juste une seconde. Voilà, j'ai juste fermé la porte. Ok, donc je voulais vous dire. Bah voilà. Entre-temps, on a pas mal ellipsé. Ça fait plusieurs. Peut-être 2 jours que la vidéo. Une semaine que la vidéo a été tournée. Enfin, le début de la vidéo. Donc voilà, on a un reproducteur à villageois qui, si je me trompe pas, est de Matox. C'est mon ami qui l'a fait. Et donc, bah, en fait, il y a juste des villageois là. Puis là, il y a de l'eau. Puis on les fait se reproduire. Et ensuite, on prend les bébés villageois. C'est pas du tout compliqué. Je vous mettrai sûrement le lien de la vidéo dans la description pour que vous voyez un peu mieux. Parce que déjà, hein, c'est pas moi qui l'ai construit, donc je sais pas vraiment à quoi m'attendre. En tout cas, voilà, il est assez bon, d'après ce que j'ai compris. Alors, je vous referai une vidéo plus tard, et on aura amené les villageois dans l'usine. L'usine qui est faite, mais on n'a pas les villageois. Et donc, ben, je vous dis au revoir, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.